Yo tout le monde, c'est Sotinik, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Mod. Et ouais, ça faisait longtemps. Et on va se faire une petite série hardcore, parce que j'ai installé beaucoup de mods qui vont pas nous faciliter la tâche et qui seront réalistes. Alors j'ai le mode, pour vous dire, dans les grandes lignes, j'ai Modern Warfare qui rajoute plein d'armes. Bon, juste tous les items, ça c'est ce qui rajoute la barre de l'inventaire à côté. Custom Spawner, non. On a aussi Open Modular Turrel, c'est pour les mobs. Spawnercraft, c'est pour une autre chose. J'ai aussi CRNS Saison. Bon, ça, ça a pas l'air de marcher. Et le plus intéressant, ce sera Techtopia, qui en fait rajoute des villages améliorés. Où il y a vraiment des PNJ qui consacrent le village, qui posent des matériaux qu'ils vont récolter. Et beaucoup mieux que les villageois normales de Minecraft. Et justement, le but, ça va être de protéger ces villageois. Parce qu'il y a beaucoup de mods. J'ai mis des mods. Qui sont hardcore sa mère pour que ça soit super dur. Et le but de cette aventure, ça va être de soit trouver ou créer un village de Techtopia. Donc les villages de Techtopia, c'est les mêmes que les villages Vania, sauf que ça rajoute plus de trucs. Et le protéger, parce que j'ai fait les tests pour voir si le mode marchait, et en fait les villageois se font déglinguer en 2-2, parce que j'ai mis des mods qui rajoutent des zombies ou qui posent des TNT, plein de nouveaux trucs. Et du coup, bah c'est parti, on va se créer un monde tout de suite. Hop, on va l'appeler Techtopia, parce que c'est un peu le but de cette vidéo. Bah le but de... pas le but de cette vidéo, c'est le but de cette série. Et on va plus d'options, et on va choisir le type par défaut. On va mettre un type de monde Lost City. Voilà, c'est un mode qui rajoute des villes abandonnées, des trucs comme ça. C'est assez bien. Ouais, c'est bon, et on va créer le monde tout de suite. Ok, du coup on est arrivé dans un village, voilà, c'est une ville abandonnée. Alors je vous rassure, il n'y a pas que ça, oui, il y a des petits terrains, et si on s'éloigne, je suis sûr qu'il y aura des coins d'herbe. Donc la première chose à faire, vous voyez qu'en bas à droite, on a la bouffe et aussi l'eau. L'eau, ça descend très vite, donc on va vite devoir trouver quelque chose à boire, et du sable surtout pour faire des fioles. Ici, on peut pas ouvrir ça. Peut-être que si je le casse, ça paraît très bizarre, mais non, il nous faut quelque chose. Si on a... oh là. Oh putain, ça commence bien. Je sais pas où aller, parce que là, si on peut pas ouvrir les coffres, c'est un peu nul. Je sais pas pourquoi on peut pas les ouvrir d'ailleurs. Peut-être que c'est... ouais, je sais pas. Ici, y a rien. Par contre, c'est super stylé, les villes comme ça. Et attention, c'est pas des villes, genre une map qui a été créée pour ça. Non, c'est vraiment plein de petites structures qui sont assemblées. Du coup, il n'y aura pas des villes faites en bloc d'or, des maisons faites en bloc d'or abusées et tout. Putain, c'est trop mal. Ah ouais, les araignées, c'est vénère. De toute façon, pour l'instant, on n'a rien, donc ça c'est pas trop grave. Mais bon, je vais vous dire que ça sera hardcore de ouf. Si on a des trucs. Là, je découvre en même temps que vous, je connais pas du tout les... Oh putain, y'a rien ici. On m'a pas vu. Oh putain, c'est abusé. Bon, on va éviter d'aller. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je crois qu'il y a des météorites, parce que je vois des trous parfois dans les maisons. Du coup, je crois qu'il y a des météorites qui tombent. J'aurais bien enlevé le mode qui fait ça, parce que c'est un peu chiant. Surtout pour les villages. J'aurais bien avoir des coffres quand même. Ouais, pas de coffre. Oh là, les araignées. Éviter de s'y approcher, parce qu'ils ont l'air super vénères. Hop, du coup, on va faire des planches. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi cette merde? Purée, c'est abusé. Il faut vite que je me trouve un endroit où me réfugier. Vous voyez, là j'ai un rond en dessous qui me dit que j'ai trop chaud, donc il va falloir de l'eau, parce que si vraiment je crève de chaud, je vais mourir. J'ai un truc passé là. Attends, parce que merde, ça je peux remonter. Du coup, on va dire qu'il y a personne. Bon, au moins ça me refroidit. Aïe. Ah, ce bâtard, il peut se poser des blocs, ça veut dire. Dégage! Je veux partir! Ouf, c'est bon. Ok.
suis dans la merde. Je vais me crafter une pioche tout de suite. Il faudrait un lit et de l'eau surtout, parce que de l'eau c'est le plus important. Récupérer ça. Je pense que je vais me rassembler du spawn parce que je sens que je vais mourir très très facilement. Donc on va vite se rassembler du spawn. Et il faut essayer de trouver un endroit où je pourrais dormir tranquillement. Qu'est-ce qui va me péter là? Mais... qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Creeper explose. Mais c'est ça qui fait rajouter. Fait qu'il y a des explosions partout. Oh, il y a un chaudron ici. This building is haunted. Be careful. Je sais que j'ai un accent de merde, mais. Oh, ça me casse. Ok, bon, il nous faut de l'eau absolument là. J'espère qu'on pourrait trouver. Ici, on a un peu de sable. On va en prendre 3. De l'eau, là. Yes, nickel. Oh, il y a des zombies partout, c'est horrible. On va dire qu'il nous a pas vu. Ok, alors il va nous falloir de la pierre pour créer un four pour qu'on puisse se faire des. Ah non, on me dit pas qu'il n'y a pas de pierre ici. Si, il y a forcément de la pierre. Alors, je vais se creuser un peu plus loin. Ah, super, je suis fait dans l'eau. Merde, on était où? Là-bas. Là-bas, mais il est bloqué du coup dans mon truc donc. Oh, ça va être chiant. Sur le début, ça va être très 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 dur. Putain, mais il y a des creepers, ils explosent de partout, c'est abusé. Putain, mais c'est n'importe quoi cette ville, par en feu. Les trucs qui explosent. Ah, pour que là, je rigole pas, je rigole plus trop là. Ah, oh, c'est un. Bon, il a l'air d'être inoffensif. Est-ce qu'il va exploser d'un coup? Ça serait bien qu'il explose, mais pas. Ah! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Dégagez! Putain, en plus c'est super dur. Yes. Il y a mon zombie. Bon, on va se casser hein, parce que c'est. Non, on va jamais réussir. Je pense qu'on va se faire une espèce de petite maison tranquille. Parce que là, il y a des mobs qui apparaissent de partout et c'est à la fin du monde. On va essayer de trouver un endroit pas mal pour se faire des. Pour commencer une survie. Parce que là, il y a des mobs qui apparaissent de partout. C'est abusé. Oh, il y a des rails. Ça doit forcément aller quelque part. C'est un métro le truc. Ouais, c'est trop... Oh putain. Oh non, ça va être rempli de monde. Y'a pas des. Non. On va éviter de. On va éviter d'y aller. Surtout qu'il nous faut de l'eau là et de la bouffe. Et on a rien de tout ça. Bon. Là-bas, il y a l'air d'avoir un peu moins de bâtiments. Et qui dit un peu moins de bâtiments dit peut-être des villages ou des trucs comme ça. Du coup on va y aller. Bon du coup je suis dans une forêt là, donc ce sera peut-être ouais c'est pas le meilleur endroit pour survivre, mais bon on va faire avec. Il va nous falloir de l'eau, donc on va se poser ici. En plus il y a des vaches à côté, c'est nickel. Hop, donc on va se faire un table de craft, on va se mettre dedans quelques petits bâtons. Hop, première chose qu'on va faire c'est une pioche. On va creuser. On va chercher de la pierre parce que là le plus important ça va être de trouver de l'eau. Oh putain je sais. Ah mais je sais pas pourquoi j'ai du mal avec ma souris là. On va le mettre directement ici, hein. Ça évitera de les déplacer. Il nous faudra du sable pour faire des fioles. Oh ça tire de partout. Oh là. Bon, vite, on va se dépêcher un peu. Putain, ça s'est trop bien tiré, ça faisait. Ah putain! Bande de sale merde! Oh putain! J'ai fait ça avec la seule chose qu'il fallait pas que je fasse. Donne-moi ce sable et hop, on va se réfugier là-dessous. Ah, pouf! Bon! Du coup, tac, tac, on va faire cuire ça. Ça, même si ça va pas durer très longtemps. Quoi? Mais c'est n'importe quoi, putain. C'est abusé, d'où ils savent que je suis là. Bon bah, oh putain, voilà ça va être la merde. Donc bon bah du coup on va devoir recommencer. Et là pour le coup bah, on va pas trop apprécier. Ça explose de partout, c'est abusé.
C'est abusé. Regarde-moi ces creepers. Il y a des creepers partout. Bon, on est tellement dans la merde par contre. Ah, ça fait chier. Bon, je vais essayer d'aller récupérer mon stuff quand même. Parce que partir de zéro là, c'est plus une solution. C'est le bordel, mais c'est un bordel par ici là. Pourquoi ça s'est allumé là? Bon, il faut vite qu'on se casse d'ici. On va creuser, mais au plus profond. En fait, ouais, dès que les creepers sont bloqués, ils explosent quoi. C'est ça, c'est pour ça que c'est le bordel. Ils explosent de partout par contre. Hop, on va prendre ça, on a 3 de verre, donc on va vite se faire des fioles. Tac, tac, tac. Et il va falloir creuser là-dedans, parce que du coup on va avoir besoin d'eau. Paf, on va se faire des outils en pierre. Ça ira plus vite. Faut que je règle la sensibilité, parce que j'arrive pas, je sais pas si c'est là. Peut-être que j'ai pas assez de sensibilité ou que j'en ai trop. Ouais, voilà, on est en dessous. Comment ça je peux pas prendre de l'eau? Wow, il y a un énorme truc en haut. Rapprochez, vite. Allez, fais ça. Ah, on va se casser en profondeur, je pense. Parce que là, je pense que les mobs, ils nous voient quand même. On va les miner. On va juste boucher, on sait jamais. Hein. Ça, c'est vraiment par précaution s'ils arrivent à casser un. Bon, je pense ici, ils ne viendront pas nous embêter. Paf, on va se mettre ici. Hop. On voit, j'ai pas de bouffe. C'est un peu dommage. Hop, on va prendre notre fourreau. Et j'ai que, ouais, j'ai deux trucs. Donc, non, pas ça. J'aurais dû mettre ma pioche à eau cramée. De l'eau purifiée, ça je suppose qu'on peut les boire. Ouais, nickel. Bon, ça nous redonne pas énormément. C'est un peu ouais. Bon, ça va être compliqué. Hein. Il va nous falloir un seau, ouais, pour l'eau. Ça serait bien. Du coup, ça nous donnerait une source infinie. Est-ce qu'on peut... Ah, on peut peut-être boire un seau. Du coup, ça nous donnerait plus, je pense, si on boit un seau. Ouais, peut-être. Je sais pas pour le coup. Là, je sais pas du tout. Bon, on va peut-être toucher un peu plus, ouais. Moi, ouais, non. On est d'accord. C'est pas trop rassurant, le bruit, là. Putain, ça fait flipper, ouais. J'ai pas pu tant de miner que ça parce que j'entends des zombies qui crient. Ah, des squelettes qui sont en train de mourir du soleil, donc je suppose que le soleil est revenu. J'entends un truc de très rassurant. Ah, c'est quoi ces zombies? Putain, fais chier les zombies. Merde, attends, j'étais où déjà? Là-bas. Ah, vas-y. C'est abusé, il m'a tué en un coup. Ça explose de partout, c'est abusé. Là, vraiment, c'est n'importe quoi. Les creepers, ils explosent vraiment pour rien, pour le coup. Là.
Sark. C'est quoi cette merde? Dégage. C'est mon zombie en plus. Mais c'est trop, c'est abusé les zombies, ils cassent des blocs. Il va nous falloir une épée. Vite, faut que je prenne du bois, un truc comme ça. Pour prendre une épée là, et en vitesse. Ok. Oui, du coup, il y a une partie de mon stuff en fait. Ouais, ah oh, putain, par contre, niveau haut, là, je suis dans la merde. Il faut vraiment mes fioles. Est-ce que du coup c'est ça qui m'a tué ou c'est juste ça c'est juste ah non là c'est ça ouais. Vite de l'eau. Faut les cuire. Est-ce qu'on peut les boire comme ça? J'ai envie d'en boire une comme ça. Ah merde, ça me donne comme la fin quoi. Bon, il va nous falloir. On va se crafter une épée. Et un coffre. Un coffre, ça pourrait être bien. Ouais. C'est quoi ça? Tac. Hop. On va se le mettre ici. Et on va mettre pas mal de choses dedans. Tac. 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 Paf. 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 On va prendre quelques blocs. Non, ça durera, ça durera pas longtemps, on pêche ce truc. On va aller explorer un peu les alentours, il me faut de la bouffe, je sais que j'avais vu des vaches. Bon, après, c'est ce que j'avais vu. Ah, là-bas, il y a l'air d'avoir un animal. On va le tuer. Oh, il y a même un... Merde, ça donne rien, ça. Il y a même un truc d'alchimiste là-dedans. Ça tire. Oh mais ça tire! Ça tire de là-bas! Il est défoncé! Il est tiré dessus! C'est trop mal! Oh putain, mais c'est quoi ce bordel? Mec! Putain, c'est abusé! Ça c'est Modern Warfare, il rajoute des mobs... Il rajoute, je crois que c'est des bandits. Ils sont abusés. Là, pour le coup, ça. Putain. Il y avait un coffre aussi, mais je sais pas si je peux l'ouvrir. J'ai pas vu. C'est pour ça que je voulais pas partir. Je voulais récupérer le pof. Ah oui, j'ai rajouté un mode qui fait ça, qui améliore, bon ça sert un peu à rien, mais bon, je me suis dit pour le réalisme, ça serait bien. Et du coup, voilà, ça me fait des mouvements un peu plus réalistes, même 10 fois plus réalistes. Ici. Est-ce qu'il est parti ou pas? Vite. Ok, il est parti. Oh, il y a des vaches là-bas. Et c'est pile l'endroit où était le bandit. Bon, on va dire qu'il est plus là. Parce qu'il nous faut absolument du cuir pour faire un petit stuff. Ah, mais d'où les vaches m'attaquent? Mais c'est n'importe quoi. Putain, mais tout m'attaque dans ce... C'est n'importe quoi. Depuis quand les vaches ça m'attaque? Mais... C'est n'importe quoi. Ce mode de jeu, c'est n'importe quoi. Putain. Et j'ai plus d'eau. Merde. Bon, il y en a là, ici, de l'eau. Normalement, j'ai des fioles. On va boire. Il arrive. Faut qu'on le tue, on n'aura plus le choix. Putain, il nous tire de trop loin. Hein. Ok, c'est bon. Il nous a donné quoi?
certes, c'est vrai. Manger du pain, ça me fait jouer. Hein. Voilà, attaquer les vaches, putain, je savais pas que les vaches nous attaquaient, c'est abusé. Un peu de facilité. C'est un requin ce que j'ai vu là. Putain, il y a un requin. Oh, putain, mais. Attends, faut que je fasse attention aux requins et aux vaches. Ça va, il a pas l'air de me regarder. Ça aussi, ça m'attaque ou c'est bon là. Qu'est-ce qu'il a pété? C'est encore les creepers ça? Bon, je me casse de là. En vitesse, parce que là c'est vraiment la merde. Hop, tac tac tac, on rebouge bien évidemment, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des mobs débarqués. Et on va revenir, parce qu'on n'a pas d'eau en fait. Ah si, ça va, on a un peu d'eau encore. Ah, on a... Ah oui, on a dû faire ça. Alors, on va regarder un peu, voir si dans le mode... je sais plus, Force Aid... Je crois qu'il rajoute la barre d'eau. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on va reboucher un peu plus, je pense. Ouais, c'est mieux. On va déjà mettre des trucs, poser ça. En fait, j'ai peur que le coffre, ça dure pas très longtemps, en fait. C'est que j'ai un peu peur, hein. Vu que les zombies sont en mode kamikaze, c'est pas super cool. Ah ouais, c'est le four qui me donne chaud, je pense. Bon, mieux vaut avoir chaud que froid, hein, pour le coup. Je vais regarder le mode qui rajoute les vis, ou si c'est pas ça, dans ça c'est les saisons. Ça c'est les villageois. Ah, ça doit être ça. Donc on a un collecteur d'eau de pluie, on a un feu de camp. Tube de froid. Ah, là on a une cannelle, jus de pomme. Jus de pomme. Ah, c'est trop bien, on peut faire du jus. On a un thermomètre. Je pense qu'on va se faire ça, ça a l'air d'être une gourde en fait. En plus j'ai du cuir, donc je crois que c'était comme ça. Oh, il m'en manque un, sérieusement. J'en ai pas un. Chier, putain. C'est la nuit là. Ah non, c'est la nuit ou pas? On a l'air d'être la nuit quand même. Hein. Ouais, c'est la nuit. C'est juste qu'il y a deux. Les trucs derrière, bon, on va les miner, hein, écoute. De toute façon, il va falloir... on va les miner. On va se faire une pioche en fer, parce que... Non, on va pas se faire une pioche en fer. On va plutôt se faire une épée en fer, c'est mieux. Je pense que ça sera un peu plus utile. Putain, ça explose de partout, vraiment, les creepers, ils sont vraiment en mode... kamikaze de ouf, là, ils y pètent pour rien, hein. Ils ont vraiment marre de la vie. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Mais qu'est-ce qui explose comme ça? On dirait, genre, je crois qu'il y a un méga creeper en fait. Vous savez le gros truc qu'on a vu là, et ça a fait apparaître plein de petits bébés. Et je pense que c'est tout en train d'exploser. Hein. Donc l'épisode est un peu trop long. Du coup, j'ai décidé de le couper en deux. Du coup, voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à plus pour un prochain épisode sur Minecraft pour Ellipse.